La prière, Bible en main. Pour prier selon la volonté de Dieu, avec la médiation du Fils, en comptant sur l'intercession du divin conseiller, pour confesser qui est Dieu et qui nous sommes devant notre Père céleste, pour exprimer notre soif de rencontrer Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour en tant que témoin de Jésus-Christ, pour adresser nos vrais besoins par devant le trône de la grâce et comprendre ce que Dieu dit sur nos besoins personnels, pour intercéder devant Dieu en faveur de nos familles, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce et la toute-puissance de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à l'exaucement et pour revendiquer les promesses de Dieu et appeler à manifestation et accomplissement la part de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La prière, Bible en main. Chaque samedi, 5h-6h AM, sur le foyer de communion. Nous attendons vos requêtes et ensemble, assiégeons le trône de la grâce en faveur de nos familles, de notre communauté et de notre pays. La prière Bible en main est une production du ministère chrétien, le foyer de communion. Amis, veuillez brancher notre compte YouTube et Facebook pour profiter de la prière Bible en main. Ensemble devant le trône de Dieu. Bonjour amis, bon réveil et bienvenue à la prière Bible en main. Ah oui, amis, c'est une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble dans la présence de mon Dieu à l'heure de la prière Bible en main. Vraiment, moi prier que bon Dieu multiplie faveur envers vous, que bon Dieu ba vous pour que vous capable surmonter tout obstacle sur route là qui empêchait ou atteindre destinée ou qui empêchait ou atteindre royauté ou avec Jésus-Christ. Voilà amis, nous t'aimé introduire la prière Bible en même matin avec la lecture du psaume 9. Le psaume 9. M'espérez que vous avez une Bible avec vous ou connaît culture la prière Bible en main, c'est avec la Bible en main que nous fait lire. Et bien moi souhaiter que ou déjà là ou même ou à lire avec nous. M'a lire dans version lui second. Ensemble, trouvez Bible avec moi. Mais qui ça le dit? N'a commencé dans verset 2. Il dit: Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu.
car les malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, et que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amis, prions et demandons au Seigneur la plénitude du Saint-Esprit pour que nous soyons capables de gagner un temps béni, un temps inoubliable, un temps marquant dans la présence de Jodia. On prie ensemble. Éternel notre Dieu, nous bénissons parce que c'est vous-même qui est bon Dieu. Nous disons merci parce que c'est vous-même qui fait nous du bien. Nous adorons parce que pas gain l'autre bon Dieu tant que vous. Merci parce que c'est vous-même qui bail nous faveur ça pour nous capables rencontrer. Dans la parole où fait nous connaître que là nous réunis dans le nom de Jésus qui prend place dans mitan temps nous. Nous bénissons pour ça et nous remercions. Et on dit dans la parole tout si nous rassemblons dans le nom et nous demandons où yon bagay ou à bailler. Nous disons merci et nous bénissons pour ça. Parce qu'on dit nous tout ça que nous marre sous terre ça marre dans le ciel là. Et ça nous démarre tout sous terre, démarre dans le ciel là. Nous rendons action de grâce et nous bénissons. Nous disons merci parce que vous êtes déjà présent dans le temps. Mais nous voulons dire merci bien plus parce que nous comptons sur vous pour capable remplir nous de Saint-Esprit et comme ça pour que nous capables gagner un temps extraordinaire dans la présence. Nous bénissons tant de Père et nous comptons sur présence. Nous comptons sur Saint-Esprit qui a rempli chaque cœur qui est connecté aujourd'hui à la prière Bible en main. Et prière nous, Seigneur, c'est pour que tant ça marque une nouvelle ère dans la relation nous avec vous. Voilà notre prière que nous adressons à toi, au nom et par les mérites infinis de Jésus, que nous prions. Amen. Amen et Amen. Voilà, amis, aujourd'hui, hein, nous avons abordé ce sujet, ça, c'est le Dieu de l'avenir. Le Dieu de l'avenir. Pas moins de trois fois, je suis confronté sur une question qui concernait l'avenir. Et dans cette confrontation, ça, je suis sorti avec des réserves. Après l'élection 2011, dans une réunion de prière, nous avons prié pour Haïti. Parce que nous avons tant de résultats qui baillent dans l'élection. Ça a fait nous tristes pour le pays. Et puis, je me rappelle que je expliqué à Mounio que nous avons tenu compte de choix ridicules qui ont fait dans le pays. De décisions politiques qui sont aussi alarmantes. Je dis si les politiques sont aussi déterminants pour l'avenir de la nation. Et en même temps, on a fait des choix qui sont aussi controversés. Moi, je comprends que déclin pour le pays, ça, son bagage qui peut aller continuellement. Et là, ça, moi, je dis qu'est-ce que je crois dans l'avenir du pays par rapport à la réalité. Ça. Aussitôt, il y a une sœur, c'est une personne très réfléchie, qui reprend moins et qui recommande pour ne pas répéter de telles paroles. Moi finalement accepté, même là que moi pas convaincu, mais moi accepté avec lui puisque quand même ça le dit, te paraît convaincant. Mais moi même personnellement moi pas convaincu. Des années après, nous venons à vivre une période pays loc. Vraiment, moi reposer question ça pour moi dire est-ce que vraiment gagne un avenir pour pays ça. Là aussi, bon Dieu mettait un autre monde sur route moi pour que lui rappeler qu'avec bon Dieu toujours gagne un avenir. Peu de temps après, moi t'as pas reposer même question à un grand homme politique très connu avec l'autre intéressé qui était là. Et puis, je vais reposer la question en ce qui a trait aux jeunes,
aux enfants d'Haïti. Qui avenir? Vraiment, la question a été banalisée par intéressé, notamment par Yon Nan Yo, qui était comme pour dire que et m'en placer pour que me communique espoir à l'autre monde. Moi crois que moi j'ai intérêt jodi a pour que moi reposer même question ça encore et m'espérer que vous même qui connecté à la prière Bible en main jodi a vous capable interagir avec nous en commentaire pour que nous essayer comprendre ensemble devant bon Dieu et en présence bon Dieu. On parle ensemble amis. En réponse à une question comme ça sur question de l'avenir d'Haïti, moi capable dire premièrement en nous raisonnable, en nous mettre pied nous sous terre. OK? Si nous devons tenir compte de données qui doivent lier à un avenir brillant pour un pays, à progrès pour une nation, m'a prend quelque nan yo la stabilité politique, hein, c'est-à-dire moun ki a dirigé yo, comment yo prend pouvoir et qui ça yo réglé nan kad sa, les pour remplacer yo qui ça qui fait aussi la sécurité dans le pays dans tout niveau sécurité. On peut l'entendre ça, ça tout réveillé ou la justice comme facteur de cohésion, facteur d'élévation de une nation. Parce que si gen toute criminalité ça dans pays là, justice là aussitôt gagne part de responsabilité li. L'aime prend économie dans pays là, ça veut dire les grandes réflexions qui a fait sous grandes décisions qui doit prendre pour faire développement pays là dans tout sens par rapport à OK, par rapport à facteur économique yo, par rapport à bien économique qui existe yo, par rapport à main d'œuvre que nous gagnons yo, par rapport à agriculture là qui doit à fonctionner, par rapport à comme si tout ça qu'on est capable de mettre ensemble pour que au moins on soit capable de faire pays à faire progrès pour le faire développement. L'aime prend encore moi dit environnement notamment parce que la question de l'environnement son bagage qui capital pour un pays, que ce soit pour gérer côté pour mon habiter, côté pour faire jardin, côté pour que comme Zinda dit côté pour gagner loisir, côté pour gagner ville, côté pour gagner. Attendez, c'est des bagages qui calculés, c'est des bagages qui planifiés, c'est des bagages qui c'est pas bagages où lever quoi ça au fait. Hein, la question de l'eau dans le pays. Hein, la question de l'eau dans le pays. C'est pour la question encore sur question de santé dans le pays ça qui doit commencer avant ou dans l'hôpital yo. Mais faut ta commencer depuis dans soin moun gagnen personnellement comme si quand bagay ça au contrôler et ma point dernier élément qui c'est éducation ça veut dire comment pour avenir dans un pays par rapport à la génération qui a préparé yo parce que l'on veut ou non moun k'ap dirige nous là yo c'est dans l'école yo sorti l'école pa nou yo sorti moi dit waouh il y a lieu de remettre en question l'avenir de notre pays et c'est logique c'est rationnel c'est même raisonnable. Parce que regardez qualité moun qui dirige pays ça mais tout que l'on veut ou non ou gen doit dire moun n'a pas gagne grande instruction mais on pas ka dire il pas passer dans l'école pa nou yo ça veut dire l'école haïtienne qui produit type de moun ça yo qui a dirigé nous yo comme si c'est l'école n'a pas faire hein c'est famille nous yo c'est société nous qui produit type de moun ça yo. Est-ce que vous comprenez? Non, niveau ça, comme si je trouvais que remettre en question l'avenir d'Haïti, c'est une question qui est légitime. Cependant, là, on a tenu compte de la foi chrétienne. Je parle de la foi chrétienne. Je parle de monde qui croit en Jésus-Christ. Ok? Je parle de monde qui croit que Jésus-Christ mourit pour sauver la vie. Je parle de monde qui croit que il y a un rendez-vous dans l'éternité avec Jésus-Christ.
tenant compte de ma foi en Jésus-Christ. Je sais qui je suis. Je sais que l'avenir s'appelle chrétien. Je comprends qu'il y a plein d'espoir. Nous pouvons établir aisément qu'avec Dieu, il y a un avenir. Moi, t'as capable de citer un pile verset pour vous là. La Bible qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais t'as capable de citer un pile verset pour me dire que la Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Ça, tout ça, c'est question de l'avenir. Est-ce que vous comprenez? C'est question de l'avenir avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a? Mais qu'en est-il du devenir d'Haïti devant Dieu? Qu'en est-il de l'avenir du pays devant Dieu? Mabdou, amis, c'est une question des plus complexes. Nous ne pouvons pas quitter personne pour nous mentir sur ça. Nous ne pouvons pas regarder les données, nous ne pouvons pas regarder les réalités. Et nous pouvons prier en fonction de eux pour nous capables de comprendre ensemble. M'a dit aux amis, n'a servi un bon Dieu qui planifie, en ce sens que le prévoit d'avance, ça vient pour arriver. Il détermine les plans en conséquence. Il est un Dieu de projet. C'est pourquoi il promet, il prédit, il prophétise. Tenez bien, amis. M'a parlé avec vous. Là, dans notre classe de théologie, il y a une question qui toujours intéressé nous, étudiants opposés. Où était Dieu? Que faisait Dieu avant la création? Mais la réponse est simple. Dieu concevait, Dieu planifiait. C'est pourquoi il peut tirer totale satisfaction de son travail. C'est ça que fait. Après chaque jour de la création, Dieu a jugé que son œuvre était bonne. Il a trouvé que c'était bon. Pour enfin évaluer son œuvre créationnelle globalement et trouver que c'était très bon. Et il pouvait se reposer. Mais la vraie raison, c'est que Dieu a pris l'éternité pour concevoir, pour planifier l'œuvre qu'il a réalisée en 6 jours. Est-ce qu'on l'a? Parce que c'est bon Dieu qui planifie, et c'est bon Dieu de l'avenir, il est capable de calculer et planifier et prévoir. Amis, en raison de son omniscience, mon Dieu panouan, il est un Dieu pro. Ah, c'est un langage, j'espère que nous comprenons. Il est un Dieu pro. Autrement dit, sa préconnaissance. C'est-à-dire qu'il connaît d'avance. Ça fait que mon Dieu est capable de fixer limite temps, il est capable de fixer l'avenir. Parce que l'avenir appartenu à mon Dieu. Ça veut dire que bon Dieu qui a fait promesse. Ah oui? Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et c'est fini. Et tout est tracé. D'Abraham, Isaac, Jacob, 12 fils pour développer une grande nation. Il est pro. Il a fait d'avance ça qui a fini. Il a fait planifier, il a fait aller au devant. Donc, il peut promettre. Parce que c'est bon Dieu qui connaît. Aussi son omnipotence. Il peut tout. Ça fait que ça le promet là. Il qu'a fait, car sa bouche dit, sa main accomplie. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. En ce sens, ami, Dieu peut promettre parce qu'il est sans limite en tout. Il a réalisé ça le promettre là. Non seulement le promettre, mais il a prédit l'avenir. Dieu prédit l'avenir. Genèse 3:15. Verset ça que nous relève le pro-évangile. Dieu a prédit, Dieu a prévu que la postérité de la femme, à savoir Jésus, écrasera la tête du serpent, à savoir le diable, qui lui blessera le talon. Une préfiguration de la mort, de la résurrection et du règne de Jésus-Christ, le Fils unique, héritier du trône de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Au temps marqué, c'est ce que Dieu a fait. Il a prédit à Abraham que ses descendants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans.
et s'en sortiront avec beaucoup de présents. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Il peut prédire. Il peut prédire. Aussi l'établissement en Canaan, Dieu a prédit qu'il le fera des siècles avant. Dieu a prédit. Et c'est ce qu'il a fait. Nous sommes comme un bon Dieu dit par la bouche d'un prophète en 1 Roi chapitre 13 que Josias a bien pour une roi et la bien roi qui a incarné David tellement il a semblé avec David. C'est ce qui est arrivé. Des siècles avant, Esaïe prédit que la venue de Cyrus, roi de Perse, pour la délivrance du peuple. C'est ce qui est arrivé. Donc, amis, historiquement, bon Dieu a toujours géré l'avenir. Et il accomplit toute parole. Li. Bon Dieu a fait des prophéties. Gardez bien, amis, on garde le Nouveau Testament qu'on y a. On garde plus près. On garde plus près. D'abord, bon Dieu qui a annoncé la fin des temps. La fin des temps, comprenez ça, m'bral dit là, oui, qui a ouvri sous l'éternité. Donc, Dieu prévoit la conversion nationale des Juifs. Depuis dans Zacharie 12, verset 10 à 14. Dieu prévoit l'établissement de son royaume. Éphésiens 1, verset 9 et 10. Tout réunir sous le leadership de Jésus-Christ. Eh bien, amis, si toute saleté dit le tap fait ou le te fait ou, sale dit le pral fait ou, qui sauve, il le fera. Il le fera. Il prévoit notre héritage comme croyant. Éphésiens 1, verset 11. Li bay nou même yon gage que la bay nou héritage ça. Li mette Saint-Esprit nan nou. Éphésiens 1, verset 14 et 15. 13 et 14. Bon Dieu prévoit la pour récompenser tout croyant yo. 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est ce qu'il fera. Bon Dieu prévoit sentence pour incrédule yo. Mais c'est ça le bras le fait. Le cheval blanc, comme jugement, Jésus-Christ qui a bien pour descendre sur le cheval blanc, mon des oliviers, moi t'es capable quand même de lire pour quelques passages dans Apocalypse. Hein? Si nous t'apprenons par exemple Apocalypse chapitre 19, hein? À partir de verset 11, là, il dit, il est clair. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice, etc. Et c'est là que l'Ipal, comme si la Magédon, c'est un aspect qui parle le traiter dans la question ça. C'est ce que Dieu dit qu'il fera. Après ça, il dit, bon, les brebis et les boucs, c'est-à-dire le trône de gloire, il va partager les peuples restants sur la terre en deux groupes. Les brebis et les boucs. Il dit ça dans Matthieu chapitre 24. Et il dit encore dans Apocalypse 20, verset 1 à 3. Et il dit encore le feu du ciel à la fin du millénium. Les dissidents du royaume qui pourraient révolter contre Jésus, mais qui ça le faire avec eux. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Le grand trône blanc, ça veut dire tout le monde qui part connaît Jésus. Ok? Depuis période Adam. Jusqu'à la fin de la dispensation de la grâce, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'église. Mais côté bon Dieu, il pourra le juger tout. Il pourra le juger tout. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Donc, amis, qui ça la Bible dit? La vie éternelle pour tous les croyants. La seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, pour tout le monde qui part quoi yo. Amis, est-ce que vous croyez bon Dieu fait ça vrai? Ah oui, amis. Bon Dieu fait le vrai. Ça veut dire, par contre, que bon Dieu dans le traitement avec l'individu et à partir de la dispensation de la grâce, bon Dieu a traité avec chaque monde. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Quiconque croit en lui, quiconque croit en lui. Donc, amis, ouais, on a parlé de pays et on a parlé de monde. Comprendre? C'est monde qui fait pays. C'est monde qui fait pays. Mais il faut nous toujours garder différence. Ok? Et bien, dans le cadre de ça, amis, mais tout ça, bon Dieu dit qu'il pourra le faire pour l'avenir. Et dans l'établissement royaume, non, certainement. Par contre, qui est bon Dieu pour le mettre chef pour Haïti? Ce sera un paradis. Est-ce qu'on l'a? Mais entre-temps, amis,
qui ça n'a fait avec lui? Qui ça n'a fait avec Haïti que nous gagnons? Mais tout programme mon Dieu gagne, programme prophétique, programme de jugement, programme de récompense pour chaque monde. Mais pour Israël, c'est la conversion nationale. Mais m'a dit, mes amis, qui ça n'a fait payer nous? C'est moment ça pour réfléchir. Nous pas le prier. Pour nous dire merci à bon Dieu pour projet que le gagne, pour prophétie que le fait yo, pour prédiction yo. OK, pour promesse li yo. Nous pas dire bon Dieu merci. Nous pas le bénir non pour ça. Moi invite au prier avec moi pour nous capable bénir non bon Dieu pour ça. Avant que nous pour nous rentrer dans l'autre phase côté que nous pas si bon Dieu peut voir tout ça dans programme li, et nous-mêmes qui ça nous gagne pour nous faire. Est-ce que les amis, on nous prier ensemble, on nous prier. Éternel mon Dieu, nous devons au matin hein, pour nous célébrer non, parce que c'est bon Dieu l'avenir. En dépit de toute question que nous capables gagner dans tête nous, mais l'irrité c'est vous-même qui contrôle le temps, qui contrôle les circonstances. Nous bénissons pour le projet qu'on fait sur la vie nous. Projet de paix et non de malheur. Eh bien, papa, nous croyons, même gens, tout ça où tu prévois ou fait, yo, depuis la création, hein, tout ça où fait, ou juger que c'est bon, ou prévoir Jésus-Christ a vini, li vini vrai. Eh bien, je dis, ya, nous croyons tout ça ou dit, c'est la vérité. Ça veut dire comme croyant, nous attendons récompense que nous avons gagné. Nous avons travaillé pour récompense ça. Ou sauver nous par la grâce. Nous déterminons récompense nous sous base travail pour confier nous. Nous bénissons, non, papa, parce que c'est bon Dieu projet, ou c'est bon Dieu programme. Ou c'est bon Dieu planification. Nous bénissons pour ça. Merci pour toute bagaille. Papa, nous vivons dans un monde. Oui, un monde qui n'est pas connu. Nous vivons dans un pays. Nous. Oui, le nom de Jésus. Son nom qui est très connu. Mais en réalité, papa, un peu de monde pas croit le cœur. Yo pas quoi de cœur yo. Ça fait tout y a souffrir loin de lui. C'est faute pas yo. Mais en pile souffrance papa. Nous bénissons pour héritage qu'on réserve pour nous comme petit tout. Nous bénissons pour gage qu'on met dans la vie nous qui c'est Saint-Esprit que n'a recevoir récompense nous. Oh nous disons merci pour tout bagaille parce qu'on peut voir que c'est dans la félicité avenir nous pour le passé. Papa, ou connaît toute bagaille. Promesse yo là, nous bénissons. Ou promettre nous la vie qui pas besoin fini, nous bénissons pour ça et nous accrocher nous à où. Ou promettre nous que pas un jugement pour nous-mêmes comme croyants, c'est récompense que n'a gagné, nous bénissons pour ça. Mais papa, voyager. Voyager pour garder où est nous. Malgré l'avenir brillant qu'on réserve pour nous. Et papa, nous avons gardé l'avenir, nous avons payé nous. Tout ça nous a fait, c'est dire merci et compter sur vous. Merci pour tout bagaille. Merci pour tout ça vous fait. Merci pour ça vous y est. Merci pour ça vous promettre. Merci pour ça vous prévoir. Nous bénissons parce que c'est vous-même qui, bon Dieu, nous rendons action de grâce. Parce que nous connaissons autant marqué. Oui, papa, vous avez fait toute bagaille. Vous faites toute bagaille belle dans le temps. Et c'est pour ça que nous bénissons, nous remercions, nous rendons action de grâce. Nous adorons et nous louons pour toute bagaille. Merci, papa. Merci pour toute bagaille. Merci parce que c'est bon Dieu l'avenir. Merci parce que c'est bon Dieu qui est juste. Merci parce que c'est bon Dieu l'amour.
Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Et Amen. Laisse-nous face à un bon Dieu comme ça. Un bon Dieu qui connaît l'avenir, qui planifie l'avenir, qui prépare l'avenir. Qui responsabilité moi-même avec nous gagner aujourd'hui en Haïti, dans Port-au-Prince, aujourd'hui et qu'on y a même dans le ça. Ah, amis, si vous regardez les données dans Port-au-Prince, c'est partie complexité, non? Mais nous comptons parce que nous observons bon Dieu et nous gagnons bon Dieu qui c'est bon Dieu avenir qui gère tout le bagaille. Quoi, gère tout le monde n'importe où, prince. Dans un moment là, heureusement, c'est bon Dieu que bon Dieu. Et mes amis, lorsque nous observerions bon Dieu qui connaît l'avenir, qui planifie l'avenir, premier ça nous gagne pour nous faire, c'est quoi qu'avec bon Dieu nous gagnons un avenir brillant. D'ailleurs, l'avenir nous appartient comme chrétiens, comme croyants. Nous régnerons avec Christ. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous gagnons accès à la présence de bon Dieu, que nous gagnons accès à la trône de bon Dieu, que nous gagnons accès à tout le royaume de bon Dieu. Par la foi, la Bible dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, amis, première étape là, c'est croire bon Dieu. Croire dans bon Dieu. Deuxième étape là, c'est faire confiance. Ah oui. Faire confiance, ça veut dire compter sur lui. Voilà. Compter sur bon Dieu. De rendre. Dans toutes circonstances. Mais notre aspect, c'est obéir bon Dieu. Ah oui? Elle dit, fais ça, bon Dieu dit. Qui ça, bon Dieu dit? Matthieu 28, 19. Faites de toutes les nations des disciples. Mes responsabilités, amis. Faites de toutes les nations des disciples. Important. De toutes les nations des disciples. Elle dit, responsabilité, formation de disciples là. Au-delà des frontières, au-delà des murs de pays, au-delà des... Ok. Obéir. Et aussi nous engager avec lui. Mais bien plus parce que nous croyons un avenir brillant que bon Dieu réservé pour nous, nous entreprendre. Entreprendre, ça veut dire que ou investir là, ou investir où? Ou investir ça ou gagner, ou investir ça ou y est, pour qu'on capable de prospérer. Même dans le pays où il y a. Ah oui, parce que la Bible dit, dans Jérémie chapitre 29, travaille pour bien pays où il y a, parce que bonheur dépend de bonheur pays. Ah, oula. Elle dit, j'en ouais pays d'Haïti, j'en ouais Port-au-Prince là, koto a vivre là, bonheur dépend de bonheur. Alléluia. Faut qu'on entreprenne. Ah, est-ce que vous comprenez, amis? La foi, faut qu'on croit, faut qu'on compte sur bon Dieu,
faut qu'on obéisse bon Dieu, faut qu'on engage avec bon Dieu et faut qu'on entreprenne. Est-ce que vous avez des amis? Faut qu'on entreprenne. On pas connait côté ou appuyer, côté ou placer, souvler en Haïti, rete ou pas vle, pas gain problème, mais faut qu'on entreprenne, souvler grandir. Faut qu'on sous fait bon Dieu confiance, faut qu'on faire quelque chose, faut qu'on travaille, faut qu'on mette main à la pâte, faut qu'on investir. Faut qu'on investir. Investir ça ou yé, ça ou connaît, ça ou café, ça bon Dieu ba ou. Amis, on va le prier pour nous dire bon Dieu, merci pour l'avenir qu'il nous réserve. Mais en même temps, tous ces jours, à nous vivre, nous avons besoin de vivre. Et pour nous vivre, nous croyons en lui, nous faisons confiance, nous obéir, nous engageons avec lui. En même temps, nous avons besoin d'entreprendre, que nous compter sur lui pour que lui soit capable de bailler nous. On part dans l'avenir ça que nous gagnons avec l'IA pour nous vivre aujourd'hui. Ou là, à nous prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons et nous rendons action de grâce. Parce que c'est bon Dieu l'avenir. Papa, aujourd'hui, n'importe où, prince, en Haïti, qu'on y a même, papa, celle où nous gagnons, oui. Bon, si nous ne pas où côté nous tapier, si nous ne pas où ça nous tape fait, papa nous dit merci parce que nous avons la foi pour nous croire en où. Alléluia. Merci parce que nous avons la foi pour nous croire en où. Parce que sans où ça nous tape fait. Et c'est pour ça, papa, nous faisons confiance. Nous faisons confiance pour mener nos côtés ouvrés. Pour mener nos côtés ouvrés. Papa. Fait que nous capables toujours obéir à parole. Obéir à parole pour nous travailler pour formation de disciples. Pour nous capables accroître royaume. Oui, pour nous atteindre objectif royaume. Nous bénissons pour ça. Et nous prêts pour nous engager nous avec vous. Mais papa, n'importe côté nous y est. Baille nous, papa. Pour nous capables investir. Pour nous capables prospérer dans le pays que nous mettez nous en. Et nous connaissons comme ça tout. Non à glorifier, non à glorifier, royaume ou à grandir, papa, dans le moment ça, moun qui parle avenir yo, réveille yo papa, ba ou la foi pour yo croire ou, pour yo capable compter sur vous, pour yo faire confiance, pour yo suivre, pour yo obéir, pour yo engager avec vous, et pour yo capable entreprendre tout, parce qu'on dit que yo bay nous réussite dans tout ça que nous entreprendre. Papa, nous disons merci pour tout bagay. Merci pour tout bagay. Oh, les familles, les amis. Oh, Père, nous besoin. Fais grâce. Papa, bonne la foi, Seigneur. Oh, bonne la foi, Papa. Oh, bonne la foi, Papa. Petit temps qu'on gagne moutarde là. Mais bonne la foi pour nous croire, pour nous compter sur vous. Laissez-moi augmenter la foi, nous tous. Pour ne pas suspendre compter sur nous. Pour avenir nous dans le pays nous. Et pour avenir pays nous tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amis, comment pour nous prier, bon Dieu, qui c'est bon Dieu l'avenir là? Hein? Bon Dieu connaît l'avenir. Bon Dieu contrôle l'avenir. L'avenir appartenu à bon Dieu. Ah. Oui, bah, les amis, c'est pour reconnaître que bon Dieu, c'est lui-même qui bon Dieu l'avenir. Faut qu'on reconnaître que c'est bon Dieu qui contrôle. La Bible dit qu'il contrôle tant. Genèse 2, verset 20. Daniel 2, verset 20. Ni contrôler temps, ni contrôler circonstances. Rien n'est impossible avec bon Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il dit tout, rien n'est impossible à celui qui croit. Reconnaître que bon Dieu connaît l'avenir. Contrôler l'avenir. Et c'est pour lui l'avenir. Mais comment pour nous prier bon Dieu ça?
Dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 15, mais comment Paul priait? Il me donne même lire passage ça pour vous. Verset 15, nous pouvons arriver jusque dans verset 21. Mais qui ça le dit? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Zami, dans le passage, ça nous réalise que faut nous prier pour nous demander bon Dieu sagesse, pour nous demander l'intelligence, pour nous vivre dans le temps ça, en même temps que nous avons œuvré, que nous avons investi pour l'avenir. Nous avons besoin de bon discernement pour nous distinguer le temps. Ah oui, pour nous connaître qui temps nous y est, pour nous chercher bon Dieu. Nous avons besoin de prier tout pour nous dire bon Dieu, nous dépendons de lui pour l'avenir, que nous comptons sur lui pour l'avenir. Ah, c'est ça, oui, amis. Nous avons besoin de prier pour nous dire, bon Dieu, nous reconnaître que c'est lui-même qui contrôle le temps. Nous avons besoin de prier pour nous demander, bon Dieu, sagesse et intelligence, pour nous vivre dans le temps côté nous y est là, dans le pays côté nous y est là, côté bon Dieu placé ou là, pour qu'on soit capable d'œuvrer tout pour l'avenir. Le royaume de Dieu, bien entendu, ou là, parce que l'avenir, il n'y a pas d'avenir sans le royaume de Dieu. Et puis tout, faut qu'on distingue le temps. Il faut qu'on dépende de bon Dieu pour l'avenir. Il faut compter sur bon Dieu. On nous prie pour nous dire bon Dieu, tout ça me soutient. Éternel notre Dieu, nous bénissons. Parce que c'est bon Dieu l'avenir. Ou contrôler l'avenir. Avenir appartenu à vous. Nous reconnaissons ça et nous bénissons pour ça. Papa, au nom de Jésus, nous demandons pour nous sagesse et intelligence. Pour nous vivre dans le temps, dans le pays que nous mettons, et pour nous capables œuvrer pour l'avenir. Ça veut dire pour nous capables travailler pour agrandir le royaume, pour nous capables travailler pour plus de monde venir dans la bergerie, pour nous capables travailler pour nous faire formation, pour nous faire disciples pour vous. Pour nous discernement, pour nous distinguer le temps, pour nous capables agir avec sagesse. Papa, nous dépendons de vous pour l'avenir. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Zami, on fait parler encore. Qui s'en pense nous t'a dû faire lorsque tout donné yo échappé nous et totalement? Bon, me dis l'autre façon, ou pas aucun contrôle temps. Ou vivre jodi a, mon pas connait pour pita ou pas connait. Qui ça pour faire? Lorsque ça arrive, ou pas contrôle rien. On va l'inviter au lire un passage qui trouvait dans Matthieu. Un passage qu'on connaît déjà, oui. Peut-être. Mais m'a invité au garder là avec moi. C'est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à partir de verset 25 là.
Qui ça la Bible dit dans le verset ça? Matthieu 6, verset 25 à 34. N'a pas lire ensemble parole, mon Dieu. Mais sa parole, mon Dieu dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites donc pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Zami, m'a regardé bien passage ça. Bon, je dis, pas inquiétez. Pas inquiétez. Ou là, Zami, pas inquiétez. Il faut qu'on voit parole, bon Dieu, pour qu'on réalise, pour garder des promesses, bon Dieu, yo, parce que c'est eux-mêmes qui sont vrais. Donc, le Darel dit là, oui, accorder la priorité au royaume, investir dans l'avenir. Mais m'a pas ajouté pour vous, ne pas faire du surplace. Bouger, pas camper. Pas camper, ici ou ailleurs, bouger quand même. Martin Luther King Jr. dit ça. Bouger quand même, pas être immobile. Bouger quand même, ici ou ailleurs, côté bon Dieu mené on l'an. Bougez quand même, pas croiser bras, mais c'est sans inquiétude. Travail, avancez. Pas t'arrêter de parler avec mon Dieu de ça. Hein? Dis papa, au nom de Jésus, je dis à moi engager avec vous pour ne pas inquiéter, pour me comprendre parole, pour me compter sur promesse, pour me bailler priorité à royaume, pour m'investir dans l'avenir, et puis pour que je sois capable de bouger coûte que coûte. Pour service ou? Ah oui? Ah oui? On prie ensemble. Éternel notre Dieu, nous bénissons pour parole. Nous bénissons pour parole. Nous bénissons pour parole. Donnez-nous échapper nous dans le pays. Nous. Totalement. Nous n'avons pas contrôle le temps. Mais papa, ou dis-nous dans la parole pour ne pas inquiéter nous. Eh bien, au nom de Jésus, nous déclarons devant mon papa que nous ne pas inquiéter nous. Nous avons compté sur nous. N'a pas fait confiance. Nous avons parole au Seigneur pour nous promettre ce qu'on fait nous. Pour promettre nous avenir meilleur, espérance. Papa, au nom de Jésus, nous réclamons avenir ça, jodia, pour nous vivre dans le présent temps ça, dans le pays d'Haïti, jodia, konya même, avec assurance et confiance, que vous avez fait tout le bagaille belle, n'entend pas ou pour nous. Papa, fais que nous sommes capables d'accorder priorité à royaume. Baille-nous pour nous investir dans le royaume. Pour l'avenir. Papa, fais que nous sommes capables de bouger, mais dans le bon sens. Pour nous accomplir. Parole, pour nous faire ça au moment de nous faire. Dans ce moment-là, papa, il y a une inquiétude. Mais au nom de Jésus, nous ne pouvons pas miser sur l'inquiétude. Nous ne pouvons pas miser sur parole. Nous disons merci, papa. Merci pour tout le bagaille. Merci pour tout le bagaille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Amis, je vais poser une question. Répondre, tant pis. Parce que je t'aime bien qu'on est.
Qui requête ou gagne pour bon Dieu l'avenir ça? Ah, belle question, amis. Répondez dans commentaire. Répondez-nous dans commentaire. Répondez-nous personnellement. Nous t'aimer avec ou dans bataille ça. Qui bataille ou gagne devant bon Dieu? Konya là. Bon Dieu l'avenir ça. Ah, babdou zami, mou pa kapa gen bataille vie personnelle. Moi même gen bataille vie personnelle avec bon Dieu. Parce que gen bagay ke m ta reme comprendre. Gen bagay ke m ta reme réaliser. Oh, yo devant bon Dieu. Yo devant bon Dieu. Pour vie pas moins, pour vie famille moins. Yo devant bon Dieu. Dans le ministère foyer de communion devant mon Dieu, dans l'entreprise familiale que mon Dieu bail nous. C'est pas vrai? Ou pas gagner une requête comme ça? Pour travail ou pour vie professionnelle ou pour vie de citoyen ou pour santé ou pas besoin mon Dieu ça? Mon Dieu l'avenir non? Ah oui, amis. Et mais sous besoin qu'on y a là nous pour prier. Nous allons prier. On dit bon Dieu merci pour la vie que il baou nous. On dit bon Dieu merci pour la famille que il baou nous. On dit bon Dieu merci parce que le mettez dans ministère pour travailler pour lui non. On dit bon Dieu merci parce que le baou une vie professionnelle non. On dit bon Dieu merci parce que le baou une vie comme citoyen. On dit bon Dieu merci parce que le baou santé. Réclamez tout ça non mais bon Dieu je vous dis au nom de Jésus. Déclarez avec bouche et remerciez-le pour ça. En nous prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous bénissons. Merci pour toute bagaille, bon papa. Merci pour vie personnelle que vous avez nous. C'est vous créez nous. Lors créez nous. Vous faites nous prendre naissance. Vous sauvez nous dans Jésus-Christ. Ça veut dire faire un pile bien pour nous. Mais vie personnelle, ça, papa, pour nous gérer chaque jour. Nous besoin, mon papa. Nous besoin, mon papa. Papa, en pile difficulté, oui. Pour vie personnelle, ça. Question sécurité. Question nutrition. Dans le pays, ça, papa. Ou question éducation. En pile bagay, oui, Seigneur. Mais nous quittons tout dans la main et nous comptons sur vous. Nous faisons confiance. Et nous déclarons que vie personnelle nous épanouit au nom de Jésus. On dit ça ensemble, vie personnelle moins épanouie au nom de Jésus. Merci papa pour famille, pour nous. Au nom de Jésus, nous déclarons que vie nous, famille nous, influent pour nous capables œuvrer pour la cause du royaume au nom de Jésus. Vie nous influent pour nous capables faire formation de disciples au nom de Jésus. Ministère le foyer de communion grandir et devenir influent pour nous capables de continuer à faire œuvre sous la terre en vue de l'établissement du royaume de Dieu. Entreprise côté au placé nous papa, côté au placé chaque monde dans foyer de communion, chaque haïtien, oh papa, difficulté entreprise a connait jodi a dans pays d'Haïti papa, réalité au complexe magasin yo. Seigneur nous besoin ou intervenu non papa. Mais nous tout merci quand même parce qu'on inspire nous jusqu'à présent pour nous entreprendre dans le pays. Nous papa, nous pensons à des gens qui ont même entreprendre, qui ont investi. Ouh, bagaille pas facile. Bagaille difficile. Mais au nom de l'Éternel, nous déclarons victoire au nom de Jésus. Parce que nous avons placé nous pour nous vivre. Et on dit c'est pour nous travailler, nous compter sur vous. Comme citoyens dans le pays, nous, papa, pour nous garder ce qui a passé comme ça, avec le pays, nous n'avons pas d'avenir pour lui. Oh papa, devant vous, papa, nous venons réclamer avenir pour le pays, nous, au nom de Jésus. Santé dans le pays, nous, santé pour physique, nous, santé pour corps, nous, santé pour épaules, santé pour famille nous, santé Seigneur, santé mentale dans le pays nous. Au nom de Jésus, nous comptons sur vous, papa. Santé physique pour Tony. Oh papa, santé physique pour Madame Milouz. Santé
pour le frère Chilmen. Santé, Seigneur, pour monsieur Emmanuel, Joseph. Santé, Seigneur, pour Karine. Santé, ô éternel Dieu, pour chaque monde qui a besoin de Konya. Santé pour Jean-Ril. Santé pour Madame Lee. Oh, santé pour pays nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amis, comment pour louer et adorer? Comment pour célébrer bon Dieu à venir là? Le Dieu de l'avenir que nous t'aimé célébrer. Et mais pour nous faire ça, ouvre Bibou avec moi dans Psaume 118. Psaume 118. Mais qui sa parole bon Dieu dit? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Et moi-même m'a dit, que la famille Augustin dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que le foyer de communion dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que tous nos connectés disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Oh, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Je te loue parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louerai l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà, amis. En nous prier pour nous bénir, non, bon Dieu, ça, je dis. Pour nous célébrer, pour nous célébrer, pour nous adorer, pour nous louer. Ah oui, pour nous louer. Éternel notre Dieu, nous louons. Loué soit l'Éternel, loué sois-tu. Nous bénissons pour miséricorde qui dure toujours. Miséricorde, ça veut dire que vous pas toujours traité nous, j'en nous mérité là. Et c'est pour sa famille nous a déclaré, loué soit l'Éternel. L'Éternel, merci parce que c'est vous-même qui pour nous, dans la détresse, nous avons invoqué vous. Et vous avez répondu, vous avez libéré nous, vous avez délivré nous, nous bénissons. Merci parce que l'ennemi n'est pas capable d'atteindre nous au nom de Jésus. Parce que c'est vous-même qui est avec nous. Parce que c'est vous-même qui secoue nous. Nous sommes capables de réjouir nous. Et c'est pour ça que nous avons cherché refuge nous. Nous bénissons vous. Oh, tout ça qui t'a environné nous, au nom de Jésus, nous déclarons anathème. Nous déclarons anathème. Même là où t'as poussé nous pour nous tomber, ah, nous tombons dans la main de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous tombons dans la main, papa, nous disons merci. Ou c'est force, nous. Ou c'est sujet louange, nous. C'est vous qui se délivrance, nous. Merci parce que c'est vous qui nous victoire. Merci parce que vous nous victoire. Merci parce que vous nous la vie. Merci parce que vous nous l'avenir. Nous bénissons, non, papa. Merci parce que vous nous importance. Au nom de Jésus, nous célébrons, non, ou. Merci parce que vous nous salut. Prospérité au nom de Jésus. Oh, béni sois-tu, éternel notre Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Loué sois-tu. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Loué sois-tu, ô Éternel, dans le pays moins. Loué sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, dans la famille moins. Loué sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, dans le pays moins. Loué sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, dans le foyer de communion. Loué sois-tu. Dans le cœur chaque connecté, je dis, loué sois-tu, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, parce que tu es Dieu, nous bénissons ton nom, parce que c'est bon Dieu l'avenir, nous bénissons nous, parce que c'est bon Dieu l'avenir, nous adorons nous, parce que c'est bon Dieu l'avenir, nous célébrons nous, parce que l'avenir nous assure dans Jésus. Nous adorons et nous bénissons. Parce qu'on réserve pour nous un avenir meilleur, nous adorons et nous bénissons. Parce qu'on réserve pour nous un avenir dans le pays, nous bénissons et nous adorons. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Parce que nous vivons, nous capables de compter sur demain. Parce que nous vivons, inquiétude nous capables d'aller. Parce que nous connaissons où qui sous la vie nous. C'est pour ça que nous avons compté sur vous. N'a pas de retour, n'a pas cherché où, nous compter sur vous, nous engager nous Seigneur dans service où et nous dépendre de vous, nous déclarer que c'est vous-même qui bon Dieu l'avenir pas nous, parce que c'est bon Dieu l'avenir pas nous, nous gain avenir au nom de Jésus, parce que c'est bon Dieu l'avenir, nous gain l'avenir au nom de Jésus, parce que c'est bon Dieu avenir, oui papa nous gain l'avenir, nous gain avenir au nom de Jésus, futur nous assurer dans vous. Demain nous assurer dans Jésus, nous bénissons vous, nous remercions vous, nous adorons vous et nous célébrons vous au nom et par les mérites infinis de Jésus, à qui reviennent toute gloire, tout honneur, tout honneur, toute louange, c'est pour vous papa et nous bénissons nous en action de grâce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Disons amen amis. Amen, 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 amen. Oh Père, merci pour tant ça que nous en présence, nous glorifions, nous bénissons, papa. Il fait que nous étions avec même disposition, ça, Seigneur, en présence. Oui, papa, il fait que tout le temps, nous affectionnons présence, nous affectionnons devant le trône. Au nom de Jésus. Amen, amen, et amen. Voilà, amis, est-ce qu'on l'a? Est-ce que vous êtes là? C'était la prière Bible en main. Et le rendez-vous est fixé pour plus près de nous, demain ce dimanche, pour continuer avec l'enseignement, une vision du royaume de Dieu. Une vision du royaume de Dieu. Voilà, amis, moi, et souhaitez-vous un excellent week-end avec le Seigneur. Un excellent week-end avec le Seigneur. Merci, amis. Qu'aimez femme par la guide. Qui me fait pas la guerre. Voilà, amis, nous remercions parce que tu es avec nous aujourd'hui. Et nous avons rendez-vous encore dimanche, samedi prochain, pour l'autre, la prière, Bible en main. Qu'est-ce que mes amis, avec Jésus? Qu'est-ce que dans le service, bon Dieu? Pas la guise, ça. Ok, amis? D'accord. Nous avons un avenir avec Jésus.
nous avons l'avenir, nous avons l'avenir avec Jésus. Et nous avons l'avenir dans le pays avec Jésus. D'accord? Voilà.